Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se révèle à vous. Sa puissance, son amour, sa grâce. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, en ce dimanche glorieux. Et les bénédictions du Seigneur soient multipliées dans chaque vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions en ce jour. Nous bénissons ton nom. Quel grand Dieu es-tu? Puissant et fort, capable de faire toutes choses. Nous prions qu'en ce jour, que tu te révèles à chacun ici présent, tous ceux qui sont là-bas, partout, au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, qu'en ce jour, la révélation de ta parole apporte la lumière et la vie à chacun de nous. Et nous prions que tout ce que tu as pourvu soit pour nous en ce jour. Bénis chacun au lieu principal. Bénis tous ceux qui sont connectés partout dans le monde au culte de ce jour. Nous savons que tu l'as fait. Nous allons l'expérimenter. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous considérons deux versets importants en Matthieu chapitre 21. En Matthieu chapitre 21, je vous lis à partir du verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Et quand il est venu dans la ville de Jérusalem, ce n'était pas la première fois où il y venait. Il avait passé par Jérusalem. Il avait touché plusieurs personnes à Jérusalem. Il avait guéri plusieurs personnes à Jérusalem. Il avait sauvé plusieurs personnes à Jérusalem. Mais il y avait des gens qui ne le savaient pas. Ainsi donc, il posait la question, qui est celui-ci? Que cela ne te surprenne pas. Il était avec les disciples pendant 3 ans. Alors, Philippe a dit, montre-nous le Père. Il a dit, Philippe, alors tu es resté assez longtemps avec moi et tu ne me connais pas. Tous ceux qui étaient avec Christ, ils ne connaissaient pas pleinement Christ. Oui, ils le savaient comme, le connaissaient comme sauveur, ils le connaissaient comme le maître, ils le connaissaient comme étant le Seigneur, ils le connaissaient comme étant le guérisseur, le rédempteur et comme le libérateur. Mais à la fin de 3 ans, il demandait toujours « Qui est celui-ci ?» Quand il a calmé la mer, quel est ce type d'homme? Quand il a marché sur la mer, qui est celui-ci? Tous ceux qui ont connu Jésus posent toujours la question. Tu le connais, mais tu ne connais pas tout de lui. Tu le connais, mais tu n'as pas encore expérimenté toute sa puissance. Ainsi donc, tu poses la question, après 3 ans, en suivant le Seigneur, qui est celui-ci? L'apôtre Paul est devenu frère Paul, né de nouveau à Damas. Il a déjà commencé à prêcher. Ils l'ont amené aux apôtres de Jérusalem.
allait sortir avec eux. Et il a dit, enfin, je suis né au moment opportun. Par expérience, par évidence, il connaissait le Seigneur. Le Seigneur lui a même parlé. Mais après qu'il soit devenu apôtre, il a dit, pour que je puisse le connaître. Et je veux t'annoncer aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu vas dans le royaume de Dieu, tu es sur la voie du ciel, tu connais Jésus comme ton sauveur, tu connais Jésus comme ton Seigneur. Il y a encore une question sur tes lèvres, qui est celui-ci? Partout tu es dans le monde, la question importante sur tes lèvres, qui est celui-ci? Voyons le verset 11. Verset 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète. Ceux qui avaient de contact avec lui, ceux-là qui l'avaient connu un peu, ceux-là qui l'avaient contacté dans la puissance et par révélation venue du ciel, ils ont dit, c'est Jésus, le prophète. Ils étaient limités dans leur compréhension en son sujet. Ils ont dit, le prophète venu de Nazareth en Galilée. Ah, c'est le prophète de tout Israël. C'est le prophète de tout le monde entier. C'est le prophète dans chaque génération. Il est le prophète que le Père a envoyé, a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Plusieurs sont limités dans leur compréhension de qui Jésus est. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus considérer qui est celui-ci, Jésus le prophète, Jésus le sacrificateur et Jésus le prince, le roi. Le message se divise naturellement en trois parties. Premièrement, reconnaître Jésus le prophète venu du Père. Deuxième point, recevoir la purification de Jésus, le sacrificateur, comme annoncé. Troisième point, régner avec Jésus, le roi, en marchant par la foi. Le prophète, le sacrificateur, le roi. Le prince, comme prophète, il est venu du Père nous révéler la pensée du Père au monde entier. En tant que sacrificateur, il est venu purifier le temple. Son temple, ton corps, ta vie. Nous sommes le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Et il est venu purifier, il est venu pour convertir, il est venu pour recréer. Le prince, le sacrificateur Jésus, la purification, comme annoncé, il est le prince qui régnera, le prince de paix, le prince de toute puissance, le prince de la prophétie, qui viendra régner. Et nous régnerons avec lui. Régner avec Jésus, le prince, en marchant par la foi. Voyons le premier point alors. Reconnaître Jésus, le prophète venu du Père. Les gens ont dit, qui est celui-ci? Ouvrant les yeux des aveugles, qui est celui-ci? Qui est monté sur un anneau? Qui est-il?
qui commande à ce que l'anon soit amené que personne n'avait jamais monté. Qui est celui-ci? Et une fois que les gens sont arrivés là, et ils ont demandé, qu'est-ce que vous faites? Le maître en a besoin. Et il a laissé aller l'anon. Qui est celui, cet homme d'autorité qui règne dans la vie? Et aucun problème ne l'a jamais échappé. Il règle toujours le problème. Et il fait toutes choses à merveille. Qui est celui-ci? Et ils ont dit, c'est le prophète. Pas un prophète. Le prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? En Deutéronome chapitre 18, verset 15. En Deutéronome 18, 15. L'Éternel ton Dieu te substituera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ce n'est pas seulement un prophète de Nazareth, un prophète d'Israël, un prophète venu, le prophète venu du Père pour tout le monde, pour chaque génération. Actes au chapitre 3, verset 22. En Actes 3, 22, on nous dit, Moïse a dit, se référant à ce que nous venons de lire dans Deutéronome. Et il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Comme moi, qui sortira tous les captifs de l'Égypte, qui les fera passer par les eaux de la mer Rouge. Voilà pourquoi nous faisons le baptême d'eau. C'est pour nous montrer, c'est pour nous démontrer comme Moïse les a fait traverser la mer Rouge, que nous allons dans les eaux, nous ne mourrons pas là-bas, nous sortons de l'autre côté et nous rendons gloire à Dieu. Il a dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, c'est Christ Jésus, le prophète, pas seulement de Nazareth, pas seulement d'Israël, le prophète du monde entier, dans chaque génération. Il vous enseignera toutes choses, du salut, de la justification, jusqu'à la glorification, du commencement de la vie chrétienne, jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation de la vie chrétienne, Christ a la parole, et il te dira, il t'enseignera toutes choses. La femme au puits a dit, nous savons que le Messie viendra. Et quand il sera venu, il nous montrera, nous enseignera toutes choses. Et Jésus a dit, je suis celui-là dont tu parles. Le Père m'a déjà envoyé et je montrerai au monde toutes choses. Il dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira.
Verset 23. On dit, et quiconque. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète. Ils écoutent les prophètes des villages là-bas. Ils écoutent les prophètes des villes. Ils écoutent les prophètes locaux. Ils écoutent des prophètes autoproclamés, autosuscités. Ils écoutent des prophètes de différentes religions et idées et toute âme. Quiconque, n'importe où l'est dans le monde, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Qui est celui-ci? C'est le prophète venu du Père. Le prophète qui nous dira, nous enseignera toutes choses pour nous faire passer de la terre au ciel. Quel est le message du prophète? Quel est le ministère du prophète? Quelle est la prédication, l'enseignement du prophète? Ça, c'est très important. Osée au chapitre 12. Verset 13. Osée au chapitre 12. Verset 13. Pas, verset 14, lui, c'est quand? Pas un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Deuxième partie. Et pas un prophète, Israël fut gardé. Le ministère du prophète, le message du prophète, l'enseignement du prophète. Premièrement, quand tu rencontres le problème envoyé par Dieu, tu es sorti d'Égypte, sorti de tes péchés, sorti de ta souffrance, sorti de l'esclavage. Ces enfants d'Israël, ils étaient esclaves pendant de nombreuses années, pendant des siècles. Ils étaient esclaves jusqu'à ce que le prophète Moïse ne vienne vers eux. Et il les a fait sortir de l'esclavage. Et il est allé avec eux dans le désert. Ils furent gardés. Pharaon n'a pas pu les détruire à cause du ministère du prophète Moïse. Le désert n'a pas pu les consommer. Parce que Moïse, le prophète, les a préservés. Leurs noms n'ont pas pu effacer la terre des vivants. Jusqu'à ce jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob préservent et continuent par les préserver. Christ est le message final venu de Dieu. Christ est le prophète final venu de Dieu. Par Jésus le prophète, nous sommes sortis de nos péchés. Nous sortons de notre Babylone et de notre Égypte spirituelle. Par le ministère, la prédication et le sacrifice, le ministère de médiation qu'il a eu sur la croix du calvaire, nous sommes délivrés de l'Égypte qui nous engloutissait et qui nous envahissait. Par un prophète, le Seigneur les a fait sortir hors d'Égypte. Et après le salut, le ministère du prophète Jésus ne s'arrête pas là. La maladie va vouloir nous détruire. Mais Jésus,
Le prophète envoyé du Père passe ses maîtrises sur nous sommes guéris. Satan et les démons vont essayer de nous dévaster. Mais Jésus l'a mis à mort. Lui qui détenait le pouvoir de la mort. Et parce qu'il est mort, nous vivons. Par le prophète, nous sommes sortis du péché. Nous sommes sortis du monde. Par le prophète, nous sommes préservés. Alors, il vit en nous. Pour que tout ce qui pourrait donc bouleverser notre esprit, notre cerveau, Jésus dira que la paix soit. Après le salut, si nous devons vivre de nous-mêmes, nous serons déjà détruits et dispersés, dévastés, détruits. Nous serons déjà morts sur la terre, sur le chemin menant à la terre promise. Mais par le prophète, il nous a fait sortir. Par le prophète, il nous préserve. Il va continuer à te préserver. Jour après jour, le Seigneur va continuer à te préserver. D'une épreuve à une autre tentation, le Seigneur va continuer à te préserver. Quand Satan frappe à ta porte, le Seigneur dira, ne t'en fais pas, n'ouvre la porte, je vais régler son compte. Il va régler le compte de tous ces esprits, de ces pas qui frapperont à ta porte, au nom de Jésus. Par ce prophète. Jésus le prophète. Pas de Nazareth. Pas de Jérusalem. Pas d'Israël seulement. Pas de ce premier siècle. De tous les siècles jusqu'à la fin, Jésus le prophète ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Matthieu chapitre 1, verset 21. En Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le péché ne va pas te détruire. Parce que Christ le Sauveur, Christ le Seigneur, et Christ celui qui nous sort de nos péchés, est là avec toi, disant, regarde à moi, écoute-moi, et je serai avec toi jusqu'à la fin. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit qu'il reviendra. Et il reviendra. Et nous attendons. Seigneur Jésus, quand est-ce que tu viendras? Pourquoi n'est-il pas encore venu? À cause de toi. Parce qu'il veut te sauver. Il dit, tu ne dois pas périr. Tu ne dois pas finir. Ton éternité finir dans la mort éternelle, dans les ténèbres éternelles. Et il t'attend. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'est pas encore venu. Voici ta chance. Tu ne périras pas, tu vivras au nom de Jésus. En 2 Pierre au chapitre 3, verset 9. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est mort pour toi. Et si tu n'es pas encore sauvé, c'est toi
qui retarde sa venue. Sa compassion, son amour, pas miséricorde pour toi et son désir pour que tu sois sauvé et que tu le suives au ciel et que tu vives pour toujours au ciel. C'est pourquoi il attend encore. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il attend que tu entres. Tu viendras, tu ne périras pas. Premièrement, reconnaître Jésus, le prophète venu du Père, dans ton cœur. Reconnaître Jésus qui vient sauver du péché. Reconnaître Jésus, le prophète venu du Père, qui est capable de te préserver du péché. Reconnaître Jésus, le prophète qui va te garder jusqu'à ce qu'il ne revienne encore. Deuxièmement maintenant, recevoir la purification de Jésus, le sacrificateur, comme annoncé. Quand Jésus est allé dans le temple et il a purifié le temple, il accomplissait son rôle en tant que le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Voyons Lévitique au chapitre 16, verset 30. En Lévitique, chapitre 16, verset 30, on nous dit, Lévitique 16, 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, pour te purifier. » Le sacrificateur fera l'expiation pour toi, pour te purifier. Le lieu d'adoration où Christ est allé purifier, c'était un bâtiment, un édifice physique. Et Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. S'il a purifié le temple physique, il y a un autre temple où Dieu habite. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. J'habiterai en vous. Je marcherai en vous. S'il a purifié le temple physique, qui ne vivra pas, qui ne demeurera pas éternellement, le temple qui vivra éternellement, c'est-à-dire ton corps, c'est-à-dire toi-même. Et Jésus a dit, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Il dit, celui qui croit en moi, et même moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous habiterons, nous demeurerons avec lui. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le temple de Dieu, le temple de Christ, le temple du Saint-Esprit qui vivra pour toujours et toujours. Il est plus important que le temple que Jésus a dit. Ces pierres, aucune pierre ne restera l'une sur l'autre. Tout sera détruit et dispersé. Il a purifié ce temple physique comme un signe, comme un symbole, comme un événement qui a eu lieu afin de te montrer que j'ai purifié ce temple et c'est toi le temple suivant. Il va te purifier. Il dit, en ce jour-là, le sacrificateur, car en ce jour,
on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Voyez le verset 33 là-bas. En Deutéronome 16, 33, il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation. Pour l'autel, il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple, les pasteurs, les proclamateurs. C'est lui qui fait l'expiation pour nous tous et pour tout le peuple de l'assemblée. Vous le recevez comme le sacrificateur qui purifie son temple. Est-ce que vous remarquez ce qu'il a fait lorsqu'il allait dans ce temple-là? Tous ces vendeurs, il les a chassés du temple. C'est l'un des problèmes que nous avons dans nos pays, dans nos vies. Nous adorons Dieu. Nous prions à Dieu. Si nous prions et nous fermons les yeux, avant 5-10 minutes, nos yeux se demandent. Et des choses nous distraient. Et Christ, le sacrificateur, est venu purifier notre temple. Tous ces bruits, ces distractions que tu entends de dedans de toi, il est venu purifier, il va les balayer, il va les effacer de ta vie. Tous ces oiseaux qu'il vendait, les animaux qu'il vendait, c'était légitime parce qu'il devait utiliser ces oiseaux pour les sacrifices. Ceux qui venaient des différents endroits, ils ne pourraient pas amener des animaux de loin. Alors, les provisions étaient faites pour qu'ils puissent sortir leur argent. Et ce n'était pas difficile à transporter. Et ils pouvaient donc facilement s'acheter ces animaux pour faire leur sacrifice. Légitime. Mais ils ont transformé ça en illégitime. Il y a beaucoup de choses qui sont légitimes. Mais à plusieurs reprises, nous prenons ces choses légitimes et elles deviennent illégales. Elles deviennent injustes, elles deviennent illégitimes. Christ le sacrificateur est venu pour que ces choses de nos vies qui semblent légitimes et qui, dans notre chair, dans notre dépravation, dans notre nature pécheresse, nous les avons transformées pour devenir illégitimes. Christ le sacrificateur, il a fait l'expiation pour vous et il purifie tout de votre vie. Toutes ces choses qu'ils vendaient ont transformé la maison de Dieu, le temple de Dieu, qui devait être un lieu de prière où l'encens de la prière devait monter vers Dieu. Ils ont rendu ça inapproprié pour la prière. Quand tu reçois Christ comme ton sacrificateur, il y a des choses dans ta vie qui peuvent être légitimes, mais tu les rends illégitimes. Et qui rend votre temple inapproprié pour la prière. La prière n'arrive pas à se lever pure pour aller en la présence de Dieu venant d'un cœur confus, d'une vie charnelle. Tu te rends donc inapproprié, inapte pour la prière. Mais
le sacrificateur Jésus-Christ, il a dit que ton temple sera la maison de prière, où la prière pourra monter vers Dieu et il n'y aura pas d'obstacle à cette prière parce qu'il vient d'un autel pur de ton cœur. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et comme sacrificateur, il nous purifie à tout moment. Afin que l'objectif de Dieu pour ton temple, pour ce temple, soit réalisé au ciel, reconnu au ciel, et l'acceptation au ciel. Voyons 2e Chronique au chapitre 29. En 2e Chronique chapitre 29, nous lisons le verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Le temple d'Israël avait trois parties. Il y a la cour extérieure, il y a le lieu saint, et il y a le lieu saint des saints. Notre vie, notre corps, notre personnalité a également trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. La cour extérieure, la partie extérieure. Ensuite, nous, ce que nous ressentons, comment nous pensons et les objectifs que nous avons, l'âme. Ensuite, nous avons le cœur, l'homme intérieur, le saint des saints, le centre du trône du Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Comme nous marchons dans la rue, nous voyons beaucoup de choses. S'il s'arrête là, pas de problème. Mais comme nous marchons, nous entendons beaucoup de choses. Si cela s'arrête là, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est la cour extérieure, la partie extérieure. Nous ne permettons pas à ces choses que nous voyons, que nous ressentons. Ces choses que nous ressentons, elles ne doivent pas aller au-delà de voir pour descendre dans nos âmes. Lorsque l'eau est au-dehors de la barque, il n'y a pas de problème. Lorsque le bateau, la barque est sur l'eau, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a de fissures et que l'eau qui est hors de la barque, du bateau, commence à entrer dans le bateau, c'est là où le problème va commencer. Lorsque l'eau entre dans le moteur de la barque, alors là, nous avons un vrai, vrai problème. C'est pourquoi il dit, lorsque le sacrificateur viendra, c'est Lévite. Et lorsque ceux-là qui ont la responsabilité de purifier le temple, ils doivent rentrer à l'intérieur du temple, l'extérieur est purifié. Ils disent que le lieu saint, nous allons dedans. Et nous enlevons toutes les saletés hors du lieu saint. Si l'œuvre, c'est la responsabilité de notre sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, d'ôter toutes ces impuretés de notre corps, de notre âme et de notre esprit, de toute notre vie. Voyons le verset 15. Ils réunirent leurs frères
et après s'être sanctifié, si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas aller vers quelqu'un d'autre pour dire « Sois saint, vous serez sanctifié. » Ce n'est pas valable, ça n'aura pas de poids aux yeux de Dieu. Le monde, la parole n'aura pas l'esprit qui l'accompagne. Ce sera sans esprit, cela n'aura pas d'objectif, ce sera inutile. Ça ne portera aucun fruit. Tu n'as pas permis au sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, de te purifier, de te purifier, de te sanctifier. Tu dis sainteté, sainteté. Et tu prends la sainteté vers quelqu'un d'autre. Ça tombera à terre. Ça n'aura pas de poids. Tu dois être d'abord sanctifié afin de dire à une autre personne de façon emphatique, sois saint, sois pur, sois sanctifié aux yeux de Dieu. Ils se sont d'abord sanctifiés eux-mêmes. Et ils sont venus selon le commandement du roi. Par les paroles de l'Éternel. Pour purifier la maison de l'Éternel. Pour purifier la maison de l'Éternel. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Si Jésus-Christ était exactement comme les pharisiens et les sadducéens, il n'aura aucun droit de purifier le temple. Mais parce qu'il était différent, le Fils de l'homme, le Saint-Fils de l'homme, le Fils de Dieu sanctifié, et le Fils de l'homme de Dieu parfait, c'est ce qui lui a donné l'autorité de le faire. Il nous a maintenant confié ce ministère. Si nous sommes sales, nous ne pouvons pas le dire aux autres. Si nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas aider les autres dans le péché. Si nous sommes souillés, nous ne pouvons pas aider les autres qui sont souillés pour être purifiés. Verset 16. Les sacrificateurs, voyez cela. Les sacrificateurs entraient dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Pour que ça sorte, pour ne plus revenir. De quel temple parlons-nous maintenant? Ton temple à toi. Sur quel temple dois-tu te concentrer pour la purification? Ton propre temple. Quel temple Dieu enlèvera de la terre pour l'amener au ciel? C'est ton temple à toi. Ces bâtiments-là, nous allons les laisser derrière. Quand l'enlèvement aura lieu, tout le podium là où je suis maintenant, là, ce ne sera pas enlevé. Parce que Dieu n'a pas promis aux bâtiments physiques l'enlèvement pour les amener au ciel. Les demeures qui sont au ciel, je vais vous préparer une place. C'est plus beau que ces choses. Nous n'amènerons pas ces choses-là au ciel. Ce qui ira au ciel, c'est ton temple là où tu es. Rends-le pur par la puissance de purification de l'agneau.
En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu où Dieu habite, où Dieu demeure, où Dieu observe tout ce qui est fait dans ce temple-là? Plusieurs croyants ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils disent des choses qu'ils ne diront pas s'ils savaient que Dieu est là, observant tout ce qu'ils sont en train de dire. Plusieurs ne sont pas conscients de la présence de Dieu à leur côté. Ils pensent à certaines choses qui souillent. Ils pensent à des choses pécheresses. S'ils savaient que Dieu observait leurs pensées parce qu'ils demeurent dans le temple, ils n'allaient pas penser, faire et toucher les choses qu'ils sont en train de toucher présentement. Une fois que les membres ne le savent pas, ils disent, une fois que le pasteur ne le savent pas, ils disent, une fois que les dirigeants ne le savent pas, ils se comportent comme ça, se comportent de telle autre manière. Et cela ne leur vient jamais à l'esprit que partout ils se trouvent, que le Dieu qui occupe, qui vit dans le temple est là, présent à leur côté. Peu importe que je le sache ou pas, ce n'est pas moi qui purifie le temple. Peu importe que je le sache ou pas, parce que ce n'est pas moi qui va enlever le temple pur pour l'amener à Dieu au ciel. Même si je le savais, qu'est-ce que je vais faire? Mais pour que tu puisses comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il veut que ce temple soit pur, purifié, purgé, prêt pour le ciel lorsque les anges sonneront de la trompette, alors nous serons tous ensemble enlevés avec les autres saints pour nous retrouver avec le Seigneur au ciel. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite, demeure en vous? Verset 17 maintenant. Il dit, si quelqu'un souille, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le souverain sacrificateur, le sacrificateur est venu. Il a fait l'expiation sur la croix du calvaire. Il a fait tout ce qui devait être fait pour pardonner le passé, pour t'affranchir dans le présent, pour te fortifier dans l'avenir, pour que ton temple soit saint pour le Seigneur. Il purifie le temple, il préserve le temple, et il nous rend saints et justes pour la venue, le retour du Seigneur. Et il dit, après toutes les provisions qui ont été faites, après que les possibilités du salut soient disponibles, après que tu aies Christ qui est mort sur la croix du calvaire et qui te montre très clairement
que je suis là pour purifier, pour purifier ton sang, ton temple, pour sanctifier ton temple. Si quelqu'un avait cette connaissance, demeure dans l'impureté, demeure dans l'impureté, demeure dans un état de non-sanctification, va-t-il condamner Dieu? Si Dieu dit, regarde, si quelqu'un détruit, souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ézéchiel 36, 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il envoie Jésus pour faire l'expiation. Il a envoyé Jésus nous purifier et pour ôter toute impureté et toutes sortes d'impuretés de nos vies. Pour nous rendre purs. Pour nous rendre purs. Pour nous rendre parfaits. Et pour nous libérer de toute souillure dans la pensée, dans le naturel et dans le physique. Voyez le verset 26. Hein? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. L'ancien cœur est vraiment sale. Il ne va pas le bricoler. Le vieux, l'ancien cœur est si souillé et les habitudes, toutes les impuretés qui se sont enlacées, il ne va pas ajuster ça simplement. Nous devons vivre par un nouveau cœur pour chacun de nous. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Dans le verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Il y a des gens, parce qu'ils ne sentent pas la présence de l'Esprit de Dieu, ils disent, ah, j'ai oublié. C'est ce que Dieu m'a convaincu la semaine passée, mais j'ai oublié. C'est pourquoi il a promis, mets son esprit en toi. Et quand l'esprit sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est l'esprit qui nous rappelle. Ne laisse pas cette pensée s'enraciner à toi, elle va te souiller. Ne continue pas à regarder et à contempler ces choses que tu regardes. Elle va souiller ta vie. Ne suis pas cette pensée que tu as dans ton cœur maintenant, pas une action. Ça va te souiller. Après nous avoir purifiés, il nous donne un cœur nouveau. Et il met l'esprit en nous. Et cet esprit nous rappelle, voici le chemin, marchez-y. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
verset 26, et nous dit ici, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Jésus le sacrificateur, le prophète, il nous déclare toute la pensée de Dieu. Le sacrificateur purifie nos cœurs afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27 nous dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. C'est quoi une ride? C'est quoi une ride? Comme nous prenons de l'âge, quand tu regardes nos visages, et même d'autres parties de notre corps, nous voyons les rides. Ce sont les marques du vieil homme. Et quand tu viens à Christ, il te sauve, il te pardonne, et il a fait l'expiation pour toi. Maintenant, tu viens à lui pour être sanctifié, il te purifie, et il ôte la dépravation et les signes et les marques du vieil homme. Il ôte ça de ta vie. Afin de nous purifier des rides et des choses semblables. Mais afin qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Premièrement, c'est le prophète. Deuxièmement, c'est le sacrificateur. Troisièmement, c'est le roi, le prince. Troisième point maintenant, régner avec Jésus, le prince, en marchant par la foi. C'est ce qu'il est venu faire dans nos vies. En Matthieu chapitre 21, lisons à partir du verset 4. Matthieu 21, verset 4. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voyons le verset 5. Dites à la fille de Sion. Voici, ton roi vient à toi. Voici, ton roi vient à toi. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Comment les gens ont crié Hosanna? Ces gens ont répandu leurs habits par terre. Ils ont dit, roi d'Israël, marche sur nos vêtements. Vous voyez comment ils ont mis les branches d'arbres par terre. Et ils ont permis à Jésus de passer dessus. Et il y avait l'excitation dans la ville. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Plusieurs de ces gens-là qui ont étendu leurs vêtements par terre pour que Jésus et l'anneau passent dessus. Plusieurs de ces gens-là ont crié Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur. Une semaine après, ils ont dit crucifiez-le. Plusieurs de ces gens ont dit à Pilate, nous n'avons aucun roi. Tout le monde peut crier. Tout le monde peut crier Hosanna. Tout le monde peut étendre les habits par terre. Ce qui arrive une semaine après, un mois après, une année plus tard, pour le restant de leur jour, c'est ce
qui racontera l'histoire finale dans l'éternité. Plusieurs de ces gens qui ont crié, le roi vient. C'était une répétition verbale de la prophétie qui avait été donnée. Cela n'est pas entré dans leur cœur. Cela n'a pas changé leur cœur. Maintenant, ils ne régneront pas avec Christ comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seuls ceux qui le prennent comme roi, qui l'acceptent comme roi, qui lui abandonnent leur vie comme roi, comme le Seigneur de leur vie dans le temps et dans l'éternité, ce sont ceux-là qui régneront avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Comment cela se passe? En 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. 2 Timothée chapitre 2, verset 11. C'est une parole certaine. Car si nous sommes morts avec lui, nous régnerons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 11. Si nous permettons à la bête en nous de mourir, comme il est mort, nous vivrons aussi avec lui. Dans chaque temple, il y a un Jean et un Judas. Dans chaque temple, il y a un Jean et il y a un Judas. Et si Jean et Judas vivent et demeurent dans le même temple, Jean est tranquille. Jean ne dispute pas. Jean ne fait pas de commentaires. Mais Judas, non, non. Cet homme, il va se débarrasser de Jean. Dans ton temple, il y a un Jean. Et il y a un Judas. Les pensées de Jean, la vie de Jean, la douceur et la gentillesse et les vertus de Jésus-Christ, comme Jean dans ton cœur, s'expriment. Mais si tu laisses au Judas, qui est dans le même temple. Et tu ne permets pas la puissance de Dieu de détruire, de mortifier ce Judas, il prendra le dessus. Et c'est lui que les gens connaîtront dans ta vie. Jean est toujours tranquille. Il est toujours doux. Il est humble. Il est aimable. Il est tellement subjugué. Il ne va pas s'afficher. Et le Judas là-bas va le taper dessus. Et ce que nous voyons en toi, c'est le Judas qui s'exprime à tout moment dans ta vie. Quand tu as un lion puissant qui est enfermé en toi. Et tu veux tuer ce lion-là. Tu ne peux pas ouvrir la cage. Ce lion va sortir et bondir sur toi. Tu dois fermer cette porte. Et ce lion reste dans la cage. Tu ne le nourris plus. Tu n'arrives plus à lui répondre. Il crie, j'ai besoin de l'eau. Tu le laisses là tout seul. C'est quand tu ne peux pas tuer avec un instrument de fer. La faim va l'affamer à mort. Quand cette attitude de Judas est en toi et ne permet pas à Jean de s'exprimer,
pour que la douceur, la bonté du Seigneur s'exprime. Tu dois affamer le Judas qui est en toi jusqu'à mort. Tu ne prêtes plus attention à ce Judas qui est en toi. Tu ne prêtes pas attention au cri et au bruit de cette habitude qui est en toi. Tu ne prêtes pas attention à la colère du lion qui est au-dedans de toi. En ne nourrissant plus ce Judas, il doit mourir et mourra d'une mort naturelle. Et Jean tout seul maintenant va manifester l'amour de Christ, la bonté de Dieu. Il manifeste le caractère et les attributs du Seigneur dans ta vie. Et nous saurons, ah, donc tu étais si aimable, tu pouvais être aussi pur, tu pouvais être aussi un homme de prière, une femme de prière, parce que le Judas qui compétissait avec Jean est mort. Et les vertus du Seigneur qui étaient cachées en toi pourront maintenant se manifester et être visibles. C'est une parole certaine. Si nous sommes morts avec lui, tout c'est très négatif. S'ils sont morts avec Christ, les choses charnelles pour lesquelles on nous connaît, ou bien que toi-même tu reconnais dans ta vie, quand nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Ces caractères sont bâtis pendant longtemps. Le caractère de la souillure, le caractère de l'ivrognerie, le caractère de la chair, les œuvres de la chair, elles ont été bâties pendant longtemps. Oui, je sais. Oui, je sais. Ce lion a été nourri, il est gros maintenant et il est fort. Mais, par la négligence, en affamant et en ne prêtant pas l'attention à ce lion, tout seul dans la cage, il finira par mourir tout seul. Et c'est en ce moment seulement que nous pourrons vivre avec lui, vivre comme lui. Vivre pour lui. Voyez le verset 12. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, c'est quel type de souffrance ça? Si quelqu'un, par exemple, fumait avant, pendant plusieurs années, le corps est maintenant habitué, attaché à cette habitude de fumer. Et si tu décides plus de tabac, c'est ça qu'on appelle les symptômes de retrait. Comme tu te retires du tabac, ton organisme qui était habitué à la cigarette sera en train de crier. Et il va souffrir, pratiquement insupportable. Mais si tu dis, cigarette, ce n'est pas toi qui contrôle ma vie, c'est moi qui ai le contrôle. La souffrance sera là pendant un moment. Mais comme tu souffres, tu acceptes cela. Et tu dis, je dis que c'est moi qui ai le contrôle. Plus de cigarettes, de tabac dans ce corps. Lorsque tu es habitué à l'alcool et ton organisme prend l'alcool à tout moment, l'habitude est si bâtie en toi que ton corps dira, même s'il n'y a pas à manger, je vais gérer l'alcool. Même s'il n'y a pas autre chose, je vais tolérer ça. Mais l'alcool,
l'absence d'alcool, vraiment, je ne peux pas accepter ça. Et une fois que tu décides qu'il n'y aura plus d'alcool, ton corps va combattre pour que tu ramènes cela. C'est dans ce processus, en cherchant à revenir, que tu vas souffrir l'absence de l'alcool pendant un moment. Mais tu dois pouvoir dire, c'est une question d'enfer ou de ciel. Quelle que soit la souffrance que je vais subir maintenant, et que je ne vais pas, vais pas en enfer, que je vais au ciel, vraiment c'est bon. Quand tu es un partenaire de péché, la personne avec qui tu gères copinage, copain, copine, homme et femme, quand tu es sorti avec lui et avec elle pendant longtemps, tu viens maintenant à Christ. Et tu veux qu'il agisse comme le prophète venu du Père dans ta vie. Tu veux qu'il te serve comme le sacrificateur prédit. Et le Seigneur dit, si tu veux m'avoir, tu ne peux pas l'avoir en plus. Si tu l'as, je ne serai pas un rival avec elle. Je ne serai pas un rival avec ton amant. Je vais rester ici. Quand tu es prêt, tu dois abandonner cet homme, cette femme, et Christ seul sera le Seigneur de ta vie et l'intérêt de ta vie. Alors viens. Tu dois quitter cet homme, cette femme. Il y aura la souffrance à cause de cette absence et tu vas le ressentir. Mais si tu souffres avec lui, alors tu régneras aussi avec lui. Si tu le renies et tu dis, vraiment, elle est ma copine, il est mon copain, c'est mon ami, homme-femme. Si tu le renies, il va aussi te renier. Nous choisissons de vivre avec lui. Nous choisissons le trône avec lui. Nous choisissons de régner avec le Seigneur ici-bas et au ciel. Tu régneras avec lui. Tu régneras avec lui. Mais tu dois abandonner ses rivaux. Et dit Christ sera le seul. Je me soumets à lui. Je me donne à lui. Et peu importe l'absence, peu importe l'absence que ces choses amènent dans ta vie, tu dois le faire pour que ce ciel-là, tu puisses y aller. Apocalypse chapitre 20, verset 6. En Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Tu régneras avec lui. Tu régneras avec lui. Je vais entendre ton amen. Et si tu veux régner avec lui, tu dois accepter sa parole de tout ton cœur. Comme la parole venue du Père
du ciel. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, disparaîtront, mais mes paroles ne passeront point. Et il t'appelle à faire de sa parole une priorité dans ta vie. Et il est le sacrificateur qui purifie ton temple. Tu dois pouvoir dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, purge-moi, purifie-moi, purifie mon temple. Et tu dois prendre la décision que tu vas suivre Christ. Les pensées de Judas, les habitudes de Judas, qui crie en toi, et tu veux aller dans la mauvaise direction, tu dois pouvoir dire, je vais affamer ce Judas à mort. Ne souffre pas pour l'impureté, la souillure. Ne souffre pas parce que tu te livres à la chair. Ne souffre pas parce que tu es têtu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont têtus. Ils ont des douleurs atroces à cause de leur choix dans la vie. Mais tu dois pouvoir dire, je ne vais pas souffrir et me retrouver encore en enfer. Si je souffre, je dois souffrir pour la justice. Je veux souffrir pour la sanctification. Je veux souffrir pour Christ, souffrir pour ce pour quoi il a tenu. Et je me donne sans réserve au Seigneur. Et aucun rival dans ma vie contre le Seigneur Jésus-Christ. Il est mon prophète, il est mon sacrificateur, il est mon prince, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur lui-même qui a purifié ce temple, il va purifier ton temple aujourd'hui. Et ta vie aura sa splendeur, ta vie aura le type de gloire que tu n'as jamais connu par le passé. Nous allons maintenant nous lever et nous allons réellement prier le Seigneur pour que le Seigneur vienne comme prophète parler à nos cœurs. Nous voulons que le sacrificateur vienne purifier notre temple. Nous voulons que le roi vienne et nous conduise là où nous pourrons vivre, régner avec lui pour l'éternité. Ouvre la bouche maintenant et parle à Dieu dans la prière.